hors de question qu'on pénètre dans votre parking. Ici, à 23h, on y était encore. On se faisait mais vaquer, mais bien, quoi. Voilà. Police nationale. Ouais. Donc, on fait quoi? On laisse mourir des gens dehors? On fait quoi? Bah, moi, je vous demande. On est pour ça. On est pour surveiller. Mais jusqu'à présent, ils n'ont jamais dégradé une bagnole ou quoi que ce soit. On est d'accord. Mais à part ça, tout va bien. C'est vous qui nettoyez. Non, non, nous, on les ramasse juste en miettes et on qui crève la dalle sur les trottoirs, c'est vrai que... Moi, je vais vous dire, je me suis déjà fait piquer par les piqûres, je sais pas. Bon, heureusement, j'ai pas le tir. Mais pour moi, je comprends très bien, hein. Attendez, je comprends très bien ce que vous me dites. Moi, on m'a dit, il va pas faire monter. Il n'y a rien contre vous, vous n'avez rien contre vous. Bah nous, on a fait faire une pétition qui est diffusée au niveau national pour les parkings, mais pas spécialement Dauphine. Hein. C'est tous les parkings. Vous avez vos raisons de ne pas vouloir. Moi, j'ai mes raisons de ne pas vouloir voir des personnes humaines mourir sur des trottoirs. Il y a encore des foyers. Non, il n'y a plus de place, il faut arrêter. Non, 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 non. On nous a parlé du plan grand froid, on a appelé, c'était même pas encore ouvert, que sur 45 lits, il y en avait 32 pris, donc faut arrêter. On est quand même un petit peu au courant. Hein? Et mesdames du bien public. Ah, ok, si on bloque l'entrée du parc, c'est donc de toute façon, on n'y est pas, mais par contre, on va passer la nuit là. Après, si eux, ils veulent rentrer, ils rentreront, ils feront ce qu'ils veulent. Justement, c'est ce qu'on explique. On a une revendication de libérer l'accès au parking, qu'il n'y ait pas d'entrave à la circulation. Vous laissez les poubelles ici, on voit vos panonceaux. Après ce que je disais, le logement, que ce soit SDF, Rome ou quoi, c'est pas moi qui. Ça n'explique rien, je dis que c'est pas moi qui décide. Oui, mais monsieur, nous, on a une revendication, c'est que. On se dirait, quand, regardez, on dort dehors, là, il fait moins, je sais pas combien. Je sais bien. Mais, je monsieur, sais bien. Quand même, on a quand même le droit de la mettre sur une mais place de parking. Main, merde. Oui, ils sont de dormir au champ, ils sont pas le droit, quoi. Quoi. Sinon, emmenez les poubelles, mettez-les dans la mairie. Mais non, ils sont pas le droit de rentrer pour dormir au chaud. On va tous dormir au froid, on va tous crever. On va juste déplacer les poubelles pour laisser l'accès au parking. Sinon, on les enlèvera. Non, non, non. Et les dégâts sanitaires, ça vient pas des SDF, parce que les toilettes sont fermées dans tout le centre-ville. Donc même les gens qui ont des voitures, une fois j'ai vu, j'étais à l'intérieur, je dessinais, et bien des gens ils descendent de leur voiture avec leur gamin et ils font uriner leur gamin dans le parking. Donc c'est pas forcément les SDF qui détériorent le. Voilà, non mais c'est pas moi qui vais loger les SDF, c'est pas moi qui vais loger les Roms. C'est pas moi qui décide. Est-ce que vous trouvez ça normal, le fait de gens comme nous, qui dormons dans un parking la nuit à 7 ou 8 heures du matin, on se fait réveiller limite un coup de pied dans les jambes, comme ça, moi la dernière fois on m'a réveillé comme ça. On est pauvre, on est pauvre, c'est tout. Attends, je suis quand même pas. On fait pas de bordel. Ouais, je vous explique. Arrête, Monique. En fait, l'autre jour on m'a réveillé comme un minuit, on m'a dit retourne dehors. C'était pas moi, c'est pas moi. Oui, j'ai pas dit vous, monsieur. C'est dans le sens que moi ça me dérange, que j'ai nulle part où aller dormir, on me réveille la nuit avec un coup de pied dans les jambes, comme ça, et je me retrouve comme un con. Et en fait, au final, pour faire, on essaie de faire comprendre les choses, dans le sens, c'est que. On laisse les gens. Regardez, on aurait tué les cons, on aurait laissé tout le monde, on aurait tout bloqué. Mais non, on a laissé les gens se partir quand même. Mais on a essayé de montrer en laissant pas les gens rentrer, c'est tout. Bah on explique aux gens quand même qu'on peut pas dormir ici. La circulation, donc les poubelles vont bouger, celui qui remet les poubelles, c'est l'interprétation. Bah, nous on bouge pas. Moi je vous dis, c'est compliqué de passer, le moment que t'empêchez pas les véhicules de sortir. Les gros, bah, vous expliquez les textes. Ils sortent les gens, ils sortent. Et si vous êtes têtu, moi je suis encore plus têtu. Non mais donc, bah, ça va bouger.
Non, ça n'a rien à voir avec le badge. Non, c'est quoi, pas pas, pas, quoi. Moi, je suis avec eux. Mais... Ah, moi, j'agresse pas, moi, je dis la vérité. Si ça plaît pas, moi, c'est pas. Ça plaît pas, c'est pas. Avec eux, après, les pauvres, ils dorment tout le temps à la main. On va pas se prendre la tête. On veut juste dormir au chaud. On veut juste dormir au chaud. Moi, je vais pas vous bouger chez moi. J'ai pas la place. Voilà, pas de parking, ça sert à quoi. Il a de la place. Bah avec la mairie, il veut quoi les REM Samen? Avec REM Samen, Samen, il veut quoi? On bloque, on fait la manifestation parce qu'on dégage. Il nous laisse pas dormir, hein, en fait. Il vous appelle tous les matins, il vous dérange en plus. En plus de ça, il vous dérange. À la mairie. Et bien en fait, vous avez une déclaration, vous avez le droit de faire les mêmes situations que vous voulez du moment que ce soit accepté. Moi je demande le seul problème qui me concerne pour le moment, les poubelles bougent. Sinon, les poubelles bougent. Sinon, je les bouge, celui qui les remet, je l'emmène. Je vous explique calmement, je vous explique, je vous dis ce que je dis, je fais. D'accord ? Elle bouge maintenant, vous voulez rester ici, montrez que vous êtes là, il n'y a pas de souci. Par exemple, personne ne tape sur les voitures, et les voitures, rentrez, sortir, comme ça, il n'y a pas d'infraction. On est d'accord ? Donc je vous laisse bouger les poubelles. Les poubelles. Ok. Et s'il y a des gens qui ne sont pas intelligents, il y a des gens qui veulent descendre. Oui, c'est poubelle. Bah si vous enlevez pas les poubelles, ils vous embarquent au poste de police. Ouais, bah Golia, c'est à quoi alors enlever les poubelles? Non, par contre, vous aurez le droit quand même de dormir là-dedans. Non mais je dors pas là-dedans, moi j'ai un appart ce soir. Bon bah alors, hop, enlève tout. Bouger.